N'a pas ouvert l'espoir à l'actualité sous plan local. Une cérémonie organisée journée jeudi 8 novembre 2018 là dans le Palais National pour honorer tennis woman Aishano japonaise Naomi Osaka. Cérémonie qui était déroulée en présence de quelques membres corps diplomatiques et consulaires là. Premier ministre Jean-Henri Séan, président Sénat Joseph Lambert à quelques autres parlementaires haïtiens. On suivra un reportage avec Gérard Junior Joseph. Deux jours après l'arrivée dans le pays, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui était accompagné par la première dame, Martine Moïse, recevoir dans le Palais National, jeudi 8 novembre 2018, la superstar tennis mondial, Naomi Osaka, qui était accompagné par Papa Li, qui est mon Japonais, Léonard François, maman qui est une japonaise, Tamaki Osaka, et grande sœur Li Marie Osaka. Cérémonie si là a été déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et sportives, dont Premier ministre Jean-Henri Séan, président Sénat Joseph Lambert, président Cour Cassation M. Jules Cantave, président Commission Sport des Chambiaux, député fils Adrien, et sénateur Patrice Dumont, et plusieurs membres du cabinet ministériel. Dans l'intervention qui a été faite, président de la République n'a pas manqué de féliciter champion US Open 2018 avec parents. Bon côté numéro 5 tennis mondial là, dans une courte intervention, il était profité remercier le président de la République là pour accueillir et recevoir dans le pays. Thank you everyone. Dans la cérémonie, président Jovenel Moïse et madame te remettent plusieurs cadeaux à la famille Osaka, dont un drapeau national spécial à superstar international mondial tennis là, Naomi Osaka. Président de la République, Jovenel Moïse, dans l'intervention, dans la circonstance, félicité Naomi Osaka pour visiter la visite Haïti. Li félicité tout famille, surtout papal, qui était initié dans la discipline, ça, qui c'est tennis, chef l'État, exhorté jeune Haïtien, au prend pour modèle Naomi Osaka, qui franchit plusieurs obstacles pour arriver dans le niveau ça. Je prends plaisir à remercier le père de Naomi, haïtien d'origine, haïtien de sang, fils du Sud-Est, fils de Jacmel, après la grande victoire de Naomi lors de cette finale de US Open. J'ai eu à tweeter pour féliciter et remercier Naomi, qui est une fille, je dirais, spéciale, parce que née au Japon, émigrée aux États-Unis, d'origine haïtienne. Cela veut dire, c'est une fille que je peux dire qui a presque trois terres natales, les États-Unis, le Japon et Haïti. Et à son arrivée à l'aéroport, j'ai vu à la télévision les trois drapeaux qui flottaient dans les mâts du salon diplomatique. Le drapeau japonais, le drapeau haïtien et le drapeau américain. Je veux envoyer un message aujourd'hui à la jeunesse haïtienne qui se trouve un peu partout à travers le monde. Je ne veux pas parler des jeunes qui vivent non seulement en Haïti, mais les jeunes qui vivent aussi à l'extérieur. Voilà un modèle. À 21 ans, Mademoiselle Osaka est devenue une championne du monde. Haïti, cette terre de liberté, cette terre sacrée est championne aussi aujourd'hui. Je veux vous dire, jeunes de mon pays, que votre avenir dépend de votre capacité à franchir les obstacles. Il faut dire aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, de fêter. Mais est-ce que nous nous posons cette question un jour pour dire quels sont les sacrifices que le père,
la mère de Osaka, la famille de Naomi, a consenti pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui, à 21 ans. Vous ne vous posez pas cette question. Rien ne se fait pas dans la vie sans sacrifice. Pour détrôner Serena Williams, Torchella's family. Cette dame puissante, parce que je suis un fan de tennis aussi, je regarde très souvent, cette dame, quand elle joue, moi-même, c'est la vitesse des balles de Serena Williams. Et à 21 ans, mademoiselle Naomi a détrôné Serena Williams en 2-7.